pour Nancy, cette finale, ça représente vraiment quelque chose de très important. On voit hein, la moitié du stade est aux couleurs rouge et blanche. Pour la ville, c'est réellement un événement. Toute la ville en a parlé. Je suis buteur du match-là, donc je garderai toujours en mémoire ce but. Et cette atmosphère qu'il y a eu après le premier but, tout dans tout le stade, avec les supporters et tout. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre. En plus, pour moi, c'était une année un peu compliquée, où je n'avais pas trop marqué encore. Et j'entendais tous les supporters me dire derrière... C'est pas grave si tu marques pas, il faut juste que tu marques le jour de la finale et ce sera bon. Super talonnade pour Duchemin, le centre de Duchemin, Zerka dans la surface, Zerka de la tête, la frappe de Béranger, l'arrêt de Loris et le but de Zerka, 1-0 pour Nancy à la 22e minute de jeu. Alors ça commence déjà par un ballon sur le côté sur Manu Duchemin qui déborde. Je sais que après, de toute façon, tu t'en souviendras toujours. Il centre, ballon aérien. Moi, je suis au duel à la tête avec Samy Traoré et puis je crois que c'était Pancho Abandonado. On était tous les deux au duel à la tête. Je la remets à Pascal Béranger qui lui met une reprise derrière et elle passe sous le bras de Hugo Lloris. Et j'ai la chance que le ballon revienne dans les pieds et j'ai juste à la mettre au fond, quoi. Là, du pied assuré, pas rien faire. Ouverture parfaitement réussie. Et Moncef Zerka qui marque son 7e but de la saison. On nous avait beaucoup parlé de cette finale, en plus Nancy-Nice en Coupe de France en 78. Et on nous a mis quand même mis un peu la pression avec ça en disant oui, la dernière finale de Coupe de France était en 78, et Pepe Platini, Olivier Rouillet, tout ce qu'il y allait avec. Et on sentait que tout le monde la voulait absolument cette finale. Nous, en priorité, parce qu'on attendait que ça. Mais tout Nancy et tous les supporters de Nancy attendaient ça. Et on nous mettait une petite pression et au final, ça fait quand même un deuxième trophée pour le club. Et derrière, ce qui a enchaîné, c'est qu'en plus, on fait une première Coupe d'Europe grâce à ce titre. Et je pense que ça a un peu boosté tout le monde et donné les résultats qui ont suivi derrière. Parce que quand on goûte une Coupe d'Europe, on aimerait bien la refaire derrière. Et puis on a enchaîné la saison qu'il fallait pour les faire par la suite.